Bonjour, découvrons ensemble cette dernière collection de chez Minté qui vient d'arriver. Alors, elle s'appelle Florabella. Donc, toujours 12 pages, 6 identiques. Donc, on a un thème sur il y a des chevaux, des Santiago, des cadenas. Des fleurs évidemment, c'est toujours très poétique chez Carola de chez Minté. Donc on a une valise ancienne, un chevalet, une pendule, un chapeau. Alors là on est paré pour aller faire du cheval, hein. Franchement on est prêt. Alors nous avons, ça va pas du tout avec, donc on a une fenêtre avec le cheval blanc à l'arrière. Alors là on est dans des tons saumonés, oui c'est ça, saumoné ou pêche. On a un petit peu de vert kaki très clair, et ensuite donc ça me fait penser un peu à l'encre blé, couleur blé, voilà, ça ressemble à ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du gris, on a encore un petit peu de gris, et la couleur aussi sable, comme le sable du Sahara. Voilà pour les teintes dominantes. Donc là, on est dans le gris clair, avec des textes, voilà pour le fond. Ensuite ici on a une comment ça s'appelle, c'est pas une rotonde, c'est un kiosque avec le cheval devant. On voit les colonnes là du kiosque, une balançoire, les Santiago là, qui sont reprises et très fleuries. L'arrière des fonds un peu façon un mur usé, vieille tapisserie. Là on a la demeure avec le chapeau, tous les accessoires de charme. Et ici, pareil, des fleurs et la tête du cheval. Une tapisserie façon baroque avec des médaillons. Là, ça reprend la couronne avec des fleurs et des feuillages, des rubans. Et là, des volets usés. Donc des tons rose. Rose clair, rose saumoné. Voilà pour cette page. On a toutes les fleurs qui sont représentées ici. Et à l'arrière, on a... Ah, ça c'est joli. Ça j'aime beaucoup. Donc ça fait façon un petit peu page ancienne de livre. Assemblage de pages. Très joli. Très doux. Là, les étiquettes, toujours. Les 12 étiquettes à découper. Avec les motifs en détail, là ça fait de jolis embellissements. Voilà, et à l'arrière, donc les cadres. Donc ça, bon ça reprend encore les 6 pages. Vous pouvez utiliser des petits cadenas avec, bien ça, c'est une idée. Bon, et puis des fleurs, des feuilles, du ruban, de la dentelle. Qu'est-ce qu'on a au niveau des rubans? Ben on a les satins clairs, la rose, blanc, gris. On a le gris qui va avec. Voilà pour ces couleurs pâles. Au niveau des fleurs, j'en ai de très pâles qui peuvent aller avec. Je vais vous montrer ça. On a celle-ci de chez Prima, ou alors celle-ci avec un peu plus de couleur sable. Top, ça s'accorde mieux celle-ci. Voilà, je vous propose ça en embellissement. Après voilà, vous pouvez jouer avec les encres, surtout avec les encres. Voilà, une petite sélection que j'ai préparée pour vous. Voilà, si vous voulez rajouter des sequins, vous avez ceux qui vont avec, les petits cadenas, les dentelles, les rubans plutôt.
Voilà pour cette collection de chez Minté, Florabella. Donc, belle fleur. Je suis d'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette découverte vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.